quand tu observes les gens qui réussissent, tu te dis « mais moi aussi je vais réussir comme eux ». Mais sache une chose, ils ne vont pas tout te montrer. Tu vois leur succès, mais tu ne vois pas les moments où ils doutent. Tu ne vois pas les moments où ils pleurent, tu ne vois pas les moments où ils veulent abandonner. Tu ne vois pas le prix à payer, tu ne vois pas le sacrifice, tu ne vois pas les échecs, tu ne vois pas les remises en question, tu ne vois pas les heures de sommeil en moins, tu ne vois pas la discipline qui est mise en place pour y arriver. Tout ce que tu vois, c'est le succès, la réussite, la notoriété. C'est ça qui t'intéresse. Mais j'aimerais te donner une réalité, j'aimerais te donner une vérité. Pour réussir dans la vie, il faut passer par ces moments de doute, ces moments de peur, d'angoisse, d'épreuve, d'adversité. Tu sais que l'échec est le fondement de la réussite. Échouer est bon. Si tu veux réussir, tu dois échouer. N'aie pas peur d'échouer. Sois dans la joie d'échouer. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, mais sois dans la joie de sortir de ta zone de confort. Prends la même joie que tu as lorsque tu réussis. Et tu la remplaces par la peur, tu la remplaces par le doute, tu la remplaces par la crainte. Mets de la joie dans tout ce que tu fais. Sois heureux d'échouer. Sois heureux de ne pas réussir tout de suite. C'est ainsi que tu vas devenir plus fort. C'est ainsi que tu vas développer ta discipline. C'est ainsi que tu vas apprendre. Aux États-Unis, il y a la force spéciale de la marine de guerre. On les appelle Navy SEAL. Il y a un entraînement très dur qui s'appelle la semaine de l'enfer. Le but pour les instructeurs est de t'affaiblir, de te détruire, non pas détruire ton corps physique, mais ton mental. Ce qu'ils veulent, c'est que tu abandonnes, c'est que tu laisses tomber. Ils vont faire en sorte que tu dors que quelques heures. Tu vas devoir porter des troncs d'arbres, aller nager dans de l'eau froide. On va t'écraser, on va t'humilier, on va te rabaisser. Tu vas subir des chocs émotionnels. Et pendant cette semaine, tu vas vivre les pires moments de ta vie. Pour bien faire comprendre aux stagiaires qui sont libres d'abandonner, il y a une cloche avec une corde en plein milieu de la cour. À tout moment, tu peux actionner cette cloche pour dire que tu abandonnes. La leçon des Navy SEAL, abandonner est facile. Pourtant, cela ne rend jamais les choses plus faciles par la suite. Peut-être qu'en ce moment, tu es rabaissé. Peut-être qu'en ce moment, tu es critiqué, humilié. Tu dois porter toi-même des charges lourdes. Tu ne dors pas beaucoup, tu es fatigué. Et tu te dis, je vais actionner cette cloche, car je n'en peux plus. Je t'en supplie, n'actionne pas cette cloche. Je t'en supplie, n'actionne pas cette cloche. Continue encore et encore, et va jusqu'au bout. La semaine de l'enfer va bientôt se terminer, et tu auras ta récompense. On récompense toujours ceux qui sont allés jusqu'au bout. Je sais que tu peux y arriver. Dieu va te donner la force nécessaire pour y arriver. Fais-lui confiance. Peut-être qu'en ce moment, tu passes par des moments de désert. Mais ces moments de désert sont des tests, juste pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu as assez d'humilité? Est-ce que tu as assez de maîtrise de toi? Rien n'est fait par hasard. Si tu n'es pas fidèle dans le désert, alors tu ne seras pas fidèle dans la terre promise. Une voiture qui n'est pas testée ne peut pas rouler sur la route, car ce serait trop dangereux. Et si tu n'es pas testé, si tu n'as pas les capacités, si tu n'as pas l'humilité, ça serait très dangereux de te laisser sur la route. Parfois nous pensons que c'est l'aptitude qui va nous amener dans une certaine altitude. Mais c'est ton attitude qui va te permettre de prendre de la hauteur. Quelle est l'attitude lorsque tu n'as pas d'argent? Quelle est l'attitude lorsque tu as beaucoup d'argent? Si tu as une bonne attitude parce que tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire que tu es reconnaissant malgré que tu as peu. Alors c'est-à-dire que tu seras aussi reconnaissant lorsque tu auras beaucoup. Et là, c'est une bonne attitude. Comme dit cette parole, rendez grâce en tout temps. C'est-à-dire, remercie le Créateur, peu importe ce que tu vis. Je ne veux pas te voir abandonner. Non, je ne veux pas te voir échouer. Beaucoup de personnes ont misé sur toi. Beaucoup de personnes croient en toi. Même si je ne te connais pas, je crois en toi. À travers toi, des vies vont être transformées. À travers toi, des vies vont être changées. À travers toi, des vies vont être sauvées. À travers toi, des gens vont être guéris. Tu as un appel fort sur ta vie, ne l'oublie pas. Tu t'es dit, je ne suis pas à la hauteur, mais c'est bon signe. Dieu ne qualifie pas des personnes déjà qualifiées. Il prend des personnes ordinaires comme toi pour en faire des personnes extraordinaires. Il prend des personnes qui ne sont pas à la hauteur pour justement les amener en hauteur. J'espère que tu n'as pas le vertige, car tu vas prendre de la hauteur. Tu vas aller de plus en plus loin, tu vas aller de plus en plus haut, tu vas aller de plus en plus dans les profondeurs. Résiste encore un peu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fais ce que tu es appelé à faire, ne regarde pas en arrière, mais regarde devant. L'avenir meilleur t'attend.
alors n'abandonne jamais.